Bienvenue YouTube, je vais te montrer comment j'ai fait pour rater un mat en deux ou comment trouver un mat quand on a un réseau de maths qui semble très très bon mais parfois on a du mal à le ficeler et à amener l'échec et maths. Euh, la partie s'est déroulée il y a quelques jours, je joue un joueur qui s'appelle A César, 1266 Hello, à l'heure de la partie je suis 1187, c'est à peu près mon, mon niveau, pardon, et j'entame avec E4, il répond avec Cavalier C6 comme je vous l'ai déjà dit. Quand vous tombez sur une ouverture que vous ne connaissez pas, ce qui est mon cas sur ce cavalier F6 que je ne connais pas, ben là en l'occurrence, j'ai essayé de transposer vers quelque chose que je connais, à savoir l'écossaise. Euh, Mais bon, jouer des cas, c'est assez naturel. Hein. L'adversaire ne peut pas prendre, sinon on reprend avec la dame. En l'occurrence, il pousse E4. Ben on se retrouve euh, là en jouant cavalier F3 dans l'assistant l'écossaise euh, qu'on aurait eu en jouant en premier E4 puis E5. Cavalier qui attaque, cavalier qui défend, et là on aurait joué des 4. Et on serait tombé sur cette, cette variante. Mon adversaire prend, c'est la théorie, je reprends. Alors à mon niveau on rencontre encore beaucoup de joueurs qui font le double échange, carrément qui échangent les cavaliers. Euh, il est régulièrement dit que c'est pas terrible pour les noirs, mais ça donne des parties plus simples, moi ça me va. <laughs> ça me va et, euh, et en plus, ça me donne confiance en moi quand l'adversaire échange les cavaliers. Je sais, ou plutôt, on m'a dit, des joueurs forts ont dit régulièrement que c'était pas terrible pour les noirs de euh, gâcher euh, ce, euh, ce cavalier euh, développé, ce qui permet à la, à la dame blanche d'être au milieu. On dit que c'est souvent pas terrible, mais justement, il y a plus de cavaliers euh, en C6 ou de cavaliers euh, B, B8 qui vient en C6 pour gagner un temps sur la dame en se développant. Donc la dame est finalement assez tranquille au milieu de l'échiquier. On conseille donc aux Noirs de ne pas échanger ce cavalier sur l'écossaise. Mais quand ils le font, moi je me sens mieux dans la partie, j'ai l'impression que je suis mieux et du coup je joue mieux. Quand j'ai l'impression que ma position est meilleure, je joue mieux. C'est comme, comme ça. Euh, comme gros défaut, c'est que quand j'ai l'impression que la position est moins bonne, je joue plus mal. C'est comme ça. Vous voyez l'esprit de compétition, ben, c'est un peu l'inverse. Peut-être. Euh, L'adversaire joue encore un coup très étonnant b6 qu'on ne m'a quasi jamais joué. J'ai pas de souvenir en tout cas. Du coup, moi je me dis écoute tranquille Dico, ça va. Euh, si c'est pas bon, et eh ben tu en profiteras peut-être pas tout de suite, mais peut-être plus tard. Donc je joue tranquillement et totalement euh, naturellement cavalier c3 qui permet de, bah, de continuer le développement. Je vais envoyer mon fou probablement en c4, voire en b5, on verra. Je pourrais roquer côté roi ou côté dame. Tout se passe bien. Il sort son cavalier. Et là, euh, toujours, 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 toujours regarder E5 dans l'écossaise. Ce que je n'ai pas fait sur ce coup-là. et eh oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cases. Le cavalier ne peut pas venir là, ni là. C'est-à-dire, pas en D5, pas en E4, pas en G4, parce qu'il est en prise directe. Donc, il perdrait. Il doit bouger, sinon, il se fait manger. Donc, il doit soit repartir à la maison en G8, ce qui est probablement le meilleur coup d'après Stockfish. Euh, même s'il n'a pas trop trop réfléchi encore. Ou aller en H5, mais s'il va en H5, il se retrouve dans une situation qui est pas très terrible. Pourquoi euh, bah, On se développe simplement, il a quand même un cavalier qui pour l'instant ne sert à rien et qui va avoir du mal euh, à développer. On peut même directement faire euh, Fou E2 qui permet de décraser ce, ce cavalier, euh, de l'attaquer, qui est encore mieux que, 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 que Fou C4. Et, et là, le, le cavalier ne peut aller ni là ni là. Il se fait manger, ni là, il se fait manger. Donc il se fait manger. Voilà, même avec un fou v 7 on peut prendre, et même s'il prend ici, ça ne donne rien de spécial parce que tour G1, là les, les noirs, ont, les blancs, pardon, ont un avantage certain sur, sur la partie, en plus de leur pièce d'avance. Euh, je ne pense pas à E5, ou en tout cas je ne le calcule pas comme étant un coup très bon, <laughs> donc je ne le joue pas. Et euh, j'envoie mon fou qui cloue le cavalier. Et je me dis là, s'il ne se passe rien, si les noirs passent leur tour, je ferai fou prend. Dame reprend plutôt que le pion qui doublerait les pions. Et à ce moment-là, dame prend, puis, dame, puis euh, pion prend. Et donc, on aurait des pions doublés sur la colonne F. Et je serais assez content euh, de, de, ma, de, ma, de ma position, même si les noirs auraient, dans ce cas-là, euh, encore la paire de fous. Mais ça me plairait. Donc, je mets mon fou en G5 pour clouer le cavalier. Lui, à son tour, attaque. Pareil, c'est une configuration que je connais pas du tout contre l'écossaise puisqu'on n'a jamais joué B6, on m'a jamais joué fou C5. Parce que dans ce cas-là, ben, on joue euh, Dame-Prend et c'est fini. Mais là, il l'avait protégé, il l'avait anticipé. C'était peut-être donc pas pour jouer le fou en fianchetto qu'il avait joué B6 pour ne pas jouer le fou en B7, mais peut-être pour le fou, il a peut-être anticipé ça. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, avec l'expérience, j'ai joué dame 5 alors que habituellement, j'aurais joué euh, quasiment instantanément Dame-D3 pour me, me, me consolider, mais j'arrive avec le temps et avec l'expérience à à être un peu plus audacieux, ça ne veut pas dire meilleur, mais un peu plus audacieux, et à tenter des coups comme ça en me disant Mais il sera, elle ne sera pas euh, trop, trop embêtée, hein, ta dame ici. Donc, il est en échec, et qu'est-ce qu'il joue pour s'enlever de l'échec Il joue fou e 7. Et là, qu'est-ce que je fais ben, Je suis mon idée, je joue fou prend. Fou prend cavalier, c'est fait un peu la même chose que tout à l'heure, mais il peut pas prendre avec le fou, puisqu'il est cloué. Donc il prend avec le pion. Et là, certes, certes, j'ai perdu la paire de fous mais j'ai une dame qui est bien chez l'adversaire, je vais pouvoir bloquer le roc adverse directement en jouant dame g3, ce qui s'avère être le meilleur coup et je suis assez content. Le fou noir n'est toujours pas développé, je vais pouvoir grand roc avoir ma tour en face de la dame adverse. Tout commence bien. Mon adversaire euh, décide de euh, ressortir son fou décidément. Euh, il le met en d6 qui attaque ma dame et là je ne me euh, dé, défais pas et boum, j'attaque en g7 en me disant bah hey, attaque la tour euh, h8 et si jamais mon adversaire rabat sa tour en f8, et bah, à ce moment-là moi éventuellement je pourrais prendre le le, le le pion h7 ce qui serait une bonne nouvelle peut-être pas le meilleur coup mais en tout cas ça ça augmente mon avance matérielle et ça me fait plaisir et c'est important de se donner du plaisir. En l'occurrence mon adversaire ne joue pas ça et protège sa tour en bougeant son roi en E7, et donc la dame défend désormais la tour. Et je ne peux rien manger. Mais il y a un coup qui vient assez naturellement, c'est tout simplement le cavalier qui vient mettre échec en D5. Et là... Et là ça pue. Ça ressemble à ces parties qu'on voit où on se dit, mais le mec, il, il se retrouve déroqué, et le roi commence à aller vers le centre. Regardez comme c'est ouvert, le fou peut partir, la tour peut revenir ici un jour avec éventuellement un grand roc pour mettre en échec. Ça sent bon, bon, bon le mat. Alors peut-être pas, peut-être pas. Hein, y a des, Mais il n'y a pas beaucoup de ressources en face. Il y a juste la tour qui va pas servir à grand-chose. Et il n'y a que le fou de cases noires qui va tenir ces cases-là. Ça fait pas beaucoup hein, par rapport à toute cette partie de l'échiquier où on va pouvoir euh, enquiquiner le roi. Et le roi choisit de ne pas rentrer à la maison. L'ordi dit, c'est ce qu'il y a de mieux de faire roi ici. Auquel cas, dame échec. Et à ce moment-là, fouet fuite. Et à ce moment-là, je pense que même que j'aurais joué Dame-F6 Dame, Dame, Dame en me disant j'ai un gros avantage matériel, je le fais. Mais mon adversaire se dit que non, 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 sa tour, il veut la protéger, donc il envoie le Roi vers le milieu. Et donc, bah, Dame-G4 paraît assez logique, ça permet de remettre sa Dame en jeu. Et comme le, la case E7 est prise et que toutes les pièces noires empêchent le Roi de rentrer chez lui... Le cavalier tenant la case de 7, le roi est obligé de revenir encore plus vers le centre de l'échiquier. Et c'est à cet instant-là que l'ordi dit qu'il y, qu y a mat en pas beaucoup. Alors, j'ai pas trop le temps de calculer, il me reste 3 minutes 50. Il y a peut-être math mais ça peut être compliqué. Moi, ce que j'essaye de faire à ce moment-là, c'est d'empêcher le roi de s'échapper et, si possible, avec les pions, le fou et la tour, bien sûr, en plus de madame et mon cavalier qui sont déjà en jeu, de, de, de bloquer totalement le roi et de le, et de le mater. On ne sait pas si ça va marcher, mais ça arrive régulièrement qu'on puisse le mater sans avoir besoin de fournir des efforts exceptionnels et de jouer des coups exceptionnels. La principale difficulté, c'est un, d'empêcher le roi de, de s'échapper dans un petit trou chez lui, et donc de, de pas forcément de vous enlever votre avantage dans la position, mais de vous enlever la possibilité de le mater. Et deux, parfois, il est nécessaire de jouer des coups silencieux qui ne mettent pas mat et qui qui Prépare autre chose, et c'est à ce moment-là que l'adversaire a un coup enfin où il peut jouer soit préparer une case de fuite pour le roi, soit ramener une pièce euh, en plein milieu du jeu et, et contre-carrer euh, contre un peu vos, vos espoirs de maths avec votre réseau. Et c'est pas forcément, c'est pas ce sont les coups généralement les, 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 les plus difficiles. Il s'avère que je joue euh, dame f4 échec ici en me disant, mais là, mon adversaire euh, euh, peut repartir, mais s'il repart, moi je remonte et tout va bien se passer. S'il remonte, moi je me dis, bah c'est bon, je fais Dame F5, échec et mat. Donc c'est un petit peu comme si mon adversaire ne pouvait plus repartir. Donc il va venir ici. C'est ce que mon adversaire joue, hein, il n'a pas trop le choix. Il a vu qu'il y avait un mat probablement en remontant. Donc là, je me dis, c'est bon, j'ai réussi à amener le Roi chez moi. Et maintenant, avec tout le reste, je devrais réussir à le mater. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là C'est de se demander, essayer de dessiner dans votre tête, quelles sont les cases que vous contrôlez et là, il s'avère que les cases qu'on contrôle sont, alors, les pions, alors je ne veux pas trop les cases qui sont lointaines, mais les cases à proximité du roi, le pion euh, E4 contrôle euh, D5 et F5, la dame contrôle tout ce qu'il y a autour, d'accord Bon, même là, mais on s'en fout, on hein, sait loin, euh, les pions contrôlent toutes ces cases, nos pions qui n'ont pas encore bougé, notre fou tient cette diagonale, et la tour, elle tient ça on voit que c'est quand même... Attends, j'ai oublié le cavalier qui tient aussi cette case-là. On voit que le roi noir est vraiment dans ce qu'on appelle un réseau, c'est-à-dire que chacune de nos pièces, un réseau de maths, chacune de nos pièces tient des cases, et l'adversaire euh, avec son roi qui est tout esselé dans notre camp, n'a pas beaucoup de chemin. Ce qu'on voit directement, c'est que le roi n'a qu'un endroit pour partir, c'est par ici. Et c'est ça qu'il faut boucher. C'est pour ça que la suite qui permettait de mater que je n'ai pas vu, c'est de jouer Dame 3 échec, qui empêche le roi de partir par cette petite case C5. Le roi est obligé de repartir en E5. Moi c'est ce que j'avais vu dans la partie et c'est pour ça que je l'ai pas joué en me disant, bah non mais il repart. Et en fait il repart pas parce qu'on joue F4 et du coup le roi est obligé de repartir ici. Et il s'avère que dans le coin on a un échec quasi mat hein, parce qu'il descend le pion et on mate. Mais ça j'ai pas vu. En l'occurrence je n'ai donc pas joué Dame 3 et j'ai joué Grand Rock. Qui permettait, c'est pas un mauvais coup en soi, hein, ça ramène la tour dans la, dans la, dans le, dans le, comment on ça, dans le coup pour mater. Malheureusement, ça permet à l'adversaire de se barrer avec son roi. Et là, il peut se barrer et on peut plus l'empêcher. Il n'y a plus de en. Quelques coups, il y a plus 10. C'est un avantage toujours écrasant, mais j'ai raté le match. On n'oublie pas que madame est toujours en prix, donc il va falloir que je la bouge. J'ai continué, j'ai simplifié et j'ai réussi à concrétiser mon avantage en victoire, mais ça n'a pas été simple. Je vous montre la suite qui était préférable. C'était donc dame E3, échec qui empêche le roi de partir. Donc le roi partait ici, mais même si vous n'avez pas vu ça, on aurait pu avoir, euh, sans ça, pardon, avec le grand roc ici. C'était Dame 3 ici, c'est trop tard. Je voulais vous montrer... un hein, euh, euh, C'était pas ici le petit cavalier, non Non, c'était pas ça, parce que la dame est en prise. Oui, pardon. Le meilleur euh, match, ce que je voulais vous montrer, c'était au début de faire Dame F4, c'est de faire Dame F5, qui empêche le roi de repartir directement. Donc il se barre à nouveau en D4. Là, on ne peut pas jouer Dame 3, hein, comme on vient de le jouer. Et là, on avait Cavalier C3, comme on contrôle tout ce qui est autour. D'accord Ici, le, le cavalier qui ne servait plus à grand-chose ici. On a toujours le chemin pour se barrer de notre adversaire. D'accord Mais, comme la dame est en F5 et pas en F4, elle contrôle la ligne. Donc, le chemin, finalement, est coupé. Et on a le roi qui est totalement emprisonné. Le roi euh, ne, peut, ne, ne peut pas... Pardon. Cette case-là est prise par notre fou. Donc le roi est totalement encerclé. Il nous reste à seulement le maître échec et, euh, échec et il sera échec et mat. La suite la plus longue, c'est simplement le fou qui se barre, qui coupe les lignes, notamment la ligne 5, pour que la dame puisse le, le mettre en échec. Mais on joue cavalier A4, ce qui, paraît, qui est vraiment le coup difficile parce que ça n'est pas échec. Et donc les, les noirs ont l'occasion de jouer quelque chose. Mais en se mettant ici, on contrôle à nouveau. La case C5, qui était la, la case, je vous avais dit, qui permettait au roi noir de se barrer. Mais là, on la coupe. On a toujours ça qui est contrôlé par le pion, toujours ça qui est contrôlé par le fou, et ces deux cases contrôlées par le cavalier ou les pions, celle-là par le pion, donc on a toujours le roi enfermé. Et désormais, la case euh, 5, qui était contrôlée par la dame, il y a est bloquée simplement parce que le fou noir ne peut pas euh, y aller. Euh, et voilà. Du coup, le roi est coincé, et quoi qu'il joue, on n'a plus qu'à faire C3, on le met en échec, et tout est coincé. Le roi est en échec et maths. C'est ce que j'ai raté. Voilà le conseil. On identifie bien les cases, le chemin de fuite et on essaie de bloquer les cases de fuite. Et tout devrait bien se passer. Je vous fais des gros bisous. Et la prochaine fois, vous ne raterez pas non plus, mat en deux. Faites comme moi, apprenez et bonne, euh, bonne fin de journée. Je vous aime.